Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. On va lire un verset, le schéma de Bhagavad Gita, chapitre 1, verset 28. Arjuna uvacha drishve mam svajanam krishna yuyutsum chamupashtitam siddhanti mama katrani mukam chapari shushyati. Arjuna uvacha chidve mam svajanam krishna yuyutsum samupashtitam siddhanti mama gatrani mukam cha parishushyati. Arjuna vacha. Arjuna vacha. Drishve mam svajanam krishna. Drishve mam svajanam krishna. Yuyutsum samupashtitam. Yuyutsum samupashtitam. Siddhanti mama gatrani. Siddhanti mama gatrani. Mukam cha parishushyati. Mukam cha parishushyati. Arjuna uvacha drishve mam svajanam krishna yuyutsum samupashtitam siddhanti mama gatrani mukam cha parishuchyati. Traduction. Arjuna dit: Ô Krishna, voyant tous mes parents ici assemblés avec le désir de combattre, je sens les membres de mon corps s'affaiblir et ma bouche se dessécher. Commentaire. Srila Abhay Chanaravinda Bhaktivedanta Swami enseigne qu'une personne qui possède la pure dévotion pour Krishna possède naturellement toutes les qualités des saints. Aussi, Arjuna est-il saisi d'une grande compassion à l'égard des membres de sa famille et de ses amis, quand il les voit sur le champ de bataille, eux qui ont décidé de combattre les uns contre les autres. Les symptômes apparaissent alors sur son corps à cause de ses pensées et de sa tendresse de cœur. Om Aganati Milandasya Ghanam Jaram Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shiva Sadi Ghora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha Vancha Karpatarubhyaccha Kripa Sindhubhyaye Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
Donc, j'écoutais une classe d'un Vaishnava qui s'appelle Madhavananda Prabhu, un disciple de Srila Gaurgavinoda Maharaj. Et son maître spirituel a donné l'instruction de jamais refuser de parler sur les gloires de Krishna, de toujours être engagé dans le Harikatha. Donc il réside à côté, à pendant des années il a résidé à Bhubaneswar et maintenant il réside à Jagannath Puri. Oui, son service est d'imprimer un magazine. Et il partage, il reçoit des Vaishnavas pour faire comme on a fait il y a quelques jours, par écran, aller de place en place dans les lieux saints, lui spécialement à Jagannath Puri. Et il voyage de temps en temps, 6 mois dans l'année, à travers le monde pour partager ce qu'il a entendu de son maître spirituel et ce qu'il a lu dans les textes sacrés. Donc il expliquait pour lui, son chapitre préféré, c'est le chapitre numéro 1 de la Bhagavad Gita. Et il donne des séminaires qui s'appellent le yoga de la lamentation. Ce qu'il explique dans sa jeunesse, sa mère en fait, à un moment donné, elle a fait plusieurs tentatives de suicide quand il était assez jeune, donc c'est quelque chose qui l'a interpellé. Pourquoi une personne, à un moment ou un autre dans sa vie, elle arrive à penser, à imaginer que la souffrance va s'échapper en commettant un suicide, en tuant ce corps, que de toute manière, ce corps est temporaire. Mais une personne, elle arrive à un moment donné dans sa vie à un tel degré de souffrance qu'elle veut mettre fin à ses jours. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus courant. Il y a des études qui ont été faites aux États-Unis où la cause de mortalité la plus grande, c'est le suicide parmi les étudiants. Donc c'est un sujet qui est assez triste, fragile, délicat, mais qui est important parce qu'ici Arjuna, il prend ce sujet pour comparer avec la Bhagavad Gita. Arjuna est un guerrier extrêmement puissant. Il se retrouve sur le champ de bataille à devoir combattre une armée très puissante avec des guerriers tels Bhishma, Drona, Kripacharya, Duryodhana, Dushasana, Shakuni et tellement d'autres qui sont en plus de ça sa famille. Et là, Arjuna, voyant tous ses membres de sa famille, son arc lui glisse des mains, il pose un genou à terre, ses membres de son corps y tremblent, et il commence à exprimer ce qu'il vit, ce qu'il ressent à Krishna. Et donc il donne beaucoup d'arguments à Krishna pour ne pas combattre. À ce moment-là, son désir, c'est de simplement, il se pose la question, qu'est-ce qui est plus favorable, être tué par eux ou les tuer? Est-ce que je ne devrais pas plutôt me retirer, aller dans la forêt et abandonner le champ de bataille? Il explique quelqu'un qui se trouve devant une armée entière, comme Arjuna, et qui n'a plus d'armes, qui est désarmé, c'est quelqu'un qui pense à se suicider. C'est quelqu'un qui veut mettre fin à ses jours, parce qu'il ne voit plus de choses positives dans ce moment-là. Il n'a plus aucun espoir. Il est complètement dévasté. Bien sûr, Arjuna n'est pas un être ordinaire, c'est l'ami du Seigneur. Krishna, c'est un ami intime. Mais pour qu'on puisse entendre les enseignements de Krishna, il est dans cette position où il est complètement dévasté. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Et Arjuna, il donne beaucoup d'arguments à Krishna. Et la première chose que dit Krishna, il le tranche, comme on dit.
Il lui dit, mais bien que tu dis des paroles qui paraissent sensées, tu parles comme un sourd. Et donc là, à ce moment-là, il lui explique la nature de l'âme. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous à comprendre. Parce que tant qu'on relationne avec ce corps, on va passer que par des éphémères, joie et peine, comme été, hiver, avant et viennent, des joies et des peines toute notre vie. On voit hier quand on était dans la rue avec Franck et Marage, les gens ils sont très peu intéressés par découvrir qui ils sont. Ils préfèrent prendre du temps pour aller dans les boutiques, pour aller acheter des choses liées à ce corps qui est temporaire. Et Arjuna, lui, il est dans cette position où il s'identifie à être le petit-fils de Bhishma Dev. Comment je vais pouvoir tuer Bhishma, qui est mon aïeul, qui est mon grand-père, celui qui m'a tout appris? Parce qu'en tuant Bhishma, c'est pas simplement qu'il perd son grand-père, mais il perd cette identification qu'il est le petit-fils de Bhishma. Et en tuant Dronacharya, alors comment je peux être un disciple si mon maître spirituel n'est plus présent? Donc il y a une identification. Et c'est expliqué, quand on est dans ce monde, la première identification qu'on a, un enfant, un nouveau-né, c'est juste, j'ai faim. Il n'y a pas d'identification avec je suis français, je suis hindou, je suis musulman, je suis ukrainienne ou russe. C'est j'ai faim. Et graduellement, comme toute personne qui naît dans ce monde a des parents. Si on est dans ce monde, on a des parents. On a une mère, on a un père. Et donc graduellement, cette identification d'être un fils grandit. Donc on s'identifie à être un fils ou à être une fille. Je suis la fille de telle personne, je suis le fils de telle personne. Et c'est une identification qui est vraiment ancrée en nous. On s'identifie vraiment à ça. Bien qu'on n'a rien à voir avec cette identification, on s'identifie à être un enfant. Et graduellement, on grandit et une fille, arrivée à un certain âge, elle s'identifie à être une jeune fille qui attire le regard des autres, et des hommes en particulier. Donc elle s'habille d'une manière jolie, élégante, parce qu'elle s'identifie à être une jeune fille jolie. Et elle voit que ça fonctionne. Les hommes, ils courent après elle. Parce qu'ils veulent avoir un échange avec le sexe opposé. Et graduellement, après, on s'identifie à être une femme. On veut rencontrer un homme et on veut avoir des enfants. On s'identifie à être une mère. Et cette identification, si on perd un enfant, alors elle disparaît. C'est pas simplement qu'on perd un enfant, mais c'est qu'on perd cette identification d'être une mère, parce qu'on n'a plus d'enfant. Donc Arjuna, il se retrouve dans cette position. Et c'est pour ça que Krishna il lui enseigne la nature de l'âme. Et Madananda Prabhu expliquait que pour véritablement comprendre qui nous sommes, il faut avoir une bonne association, Sadhu Sangha. Parce que là, Arjuna, il a la meilleure des associations, il a Krishna directement, qui en plus de ça est son ami et son cocher. Sur le champ de bataille, Arjuna il a une telle position qu'avec ses pieds, parce qu'il y a tellement de bruit, on ne peut pas imaginer, il y a des millions de soldats qui sont en train de se battre les uns les autres, Krishna est assis plus bas que Arjuna. Et c'est pas qu'Arjuna il crie à Krishna à droite, à gauche, tout droit, va plus vite. Non, avec son pied, il touche l'épaule de Krishna gauche ou l'épaule de Krishna droite pour indiquer la direction. Il y a tout un code avec les pieds. Il touche le Seigneur Krishna avec ses pieds. Il y a une telle relation intime. Mais là, il se retrouve dans une position où il ne peut plus être l'ami de Krishna. Il devient le disciple. Il a besoin d'aide.
il est complètement perdu. Et au début, Krishna lui dit, oh, mais tu parles comme un gourou, comme un savant, tu as déjà toutes les réponses, comment je peux t'aider? Et Arjuna, à ce moment-là, il dit, non, s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Et donc là, Krishna, il lui explique la Bhagavad Gita. De la même manière, on accepte un maître spirituel, on va être dans une position où on va apprendre. Le maître spirituel, il nous nourrit quotidiennement à travers les enseignements personnels et globaux pour qu'on puisse progresser dans notre vie spirituelle. De la même manière, quand on va à l'école, on a des professeurs qui nous enseignent ce qu'ils ont appris. Et le maître spirituel, c'est la personne qui nous donne la chose la plus importante. Parce qu'il n'y a rien dans ce monde qui soit plus important que ce qui nous... que de découvrir qui nous sommes véritablement, que de redécouvrir qui nous sommes véritablement. C'est pour ça que Srila Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, enseignait beaucoup, mettait beaucoup l'accent sur le principe de l'âme. Et sans comprendre qu'on est différent de ce corps, tous les jours on aura des souffrances, tous les jours on aura des difficultés, et on aura des obstacles dans notre vie spirituelle. Donc dans un premier temps, il faut comprendre qu'on est différent de ce corps, que ce corps est temporaire. Un jour, il y a Tamal Krishna Maharaj, il était assis à côté de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Srila Prabhupada lui a dit, ok, amène-moi, s'il te plaît, dans le Srimad Bhagavatam. Et sur la couverture, il y a la peinture que Rasalila a fait au plafond. Donc il lui a dit, voilà, il y a des milliards de planètes, et parmi toutes ces planètes il y a une quantité incommensurable d'êtres vivants, et parmi tous ces univers il y a une planète, la Terre, et dans cette planète il y a un pays, les États-Unis. Dans ce pays il y a une ville, Los Angeles, et dans cette ville qui est immense, dans une rue et il y a une église qui est maintenant devenue un temple. Et dans ce temple, il y a une personne qui est le président du temple, qui pense qu'il est une personne très importante. C'est Tamal Krishna Maharaj. Là, il explique sa fierté, son ego, tout petit. Et c'est ce qu'on est véritablement. Autour de nous, il y a des entités vivantes, que ce soit sous terre, dans le ciel, les maisons voisines, êtres humains, les végétaux, les insectes, on est entouré d'êtres, d'entités vivantes, qui ont tous une relation intime avec Shri Radha et Krishna. Nous, on pense à l'état conditionné, quand je vais retrouver ma position originelle, il y a Radha, il y a Krishna, il y a mon gourou, et il y a moi. Mais c'est pas comme ça. Il y a une diversité, des personnes qui ont une position tellement exaltée qu'on veut juste, une fois Gurudev il expliquait, on veut juste être un brin d'herbe à Vraj. Juste ça. Une position, elle est tellement fortunée. Juste pouvoir être un brin d'herbe à Vraj. Et cultiver ce sentiment-là, c'est quelque chose de très positif. Parce que naturellement, on va pouvoir recevoir les enseignements du maître spirituel avec humilité. Sans développer l'orgueil, la fierté, de penser qu'on est quelqu'un de spécial. Comme Prabhupada a enseigné Tamal Krishna Maharaj en lui donnant cet exemple, qui est un exemple vraiment merveilleux, pour nous faire comprendre qu'on est tout petit, en fait. On pense qu'on a une position dans ce monde. Maharaj, il me partageait une conférence qu'il avait entendue de Devaki Mataji. Elle expliquait, on peut passer une vie entière à défendre notre faux ego. Mais quelle va être notre destination ensuite? Si on passe notre vie entière à défendre notre faux ego, qui n'est
qui n'a rien à voir avec notre identité. Mais si on passe une vie entière à cultiver l'humilité, alors notre position, notre destination future est garantie. Parce que l'humilité, justement, on était en Inde, à Vrindavan, et Gurudev, il expliquait ça. L'humilité, c'est le sentiment de Radharani, c'est le cœur de Radharani, qui est notre gourou originel. Donc en allant vers l'humilité, naturellement, on se rapproche de Radha et Krishna. On se rapproche de notre maître spirituel. C'est pour ça que Sri Chaitanya Mahaprabhu a enseigné Trinadapi Sunichina Talodapi Saishna Hamanena Madhana Kirtanya. C'est la clé pour nous du succès dans notre vie spirituelle. On peut voir dans la rue, justement, quand on accoste les gens, si on va vers eux, on leur dit « Hé, hey, toi, grosse crapule, viens voir, je vais t'enseigner quelque chose de merveilleux, je suis super puissant, j'ai toute la connaissance. Toi, t'es juste qu'un idiot, tu connais rien du tout. Viens, je vais t'enseigner. » Très peu de chance pour que la personne, elle vienne nous écouter. Parce que les gens se font tricher. Les gens, depuis leur tendre enfance, on se fait tous tricher. On apprend à l'école qu'on peut être heureux dans ce monde en ayant une position sociale, en étant riche. On partageait justement avec Franck. C'est les personnes, ils veulent des biens matériels, mais dès qu'on a un téléphone, au bout d'une semaine ou deux semaines, pendant une semaine, c'est notre téléphone, on vient de l'acheter, le nouveau iPhone 6 ou 7 ou 8 ou 29. On vient juste de l'acheter, on découvre toutes les nouvelles applications. Mais au bout d'une semaine, deux semaines, on connaît par cœur notre téléphone, ça devient juste un outil qu'on utilise pour appeler les gens, pour aller sur Internet. On n'est plus exalté dès qu'on voit notre téléphone. Une voiture, c'est pareil. Quelqu'un, il achète une Ferrari ou une belle voiture, et qu'il est attaché à cette voiture, au bout d'une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, ça devient juste un véhicule qui l'emmène d'un point à un autre. Les vêtements, quand on achète un vêtement, on fait les soldes, on achète un nouveau vêtement, on est tout excité de montrer à nos amis, regarde, j'ai acheté cette robe, elle est magnifique. On se lasse très vite d'une robe, un bout de tissu, comment on peut ressentir de l'amour infini pour un bout de tissu? C'est pas possible. L'âme, elle n'est pas faite pour ça. L'âme est faite pour avoir une félicité immense. On cherche ça. Alors malheureusement, on cherche à travers ces biens matériels. Mais quand on rencontre le maître spirituel, il nous dit, ok, effectivement, tu as vu tous ces panneaux publicitaires dans le monde qui te disent que en buvant un Coca-Cola, tu vas être super heureux. En ayant une belle voiture, tu vas être comblé. Mais tu as essayé depuis des vies et des vies. Et même dans cette vie même, tu as essayé. Et tu essayes encore et encore et encore. Moi, je te propose une autre solution. Connecte-toi avec le divin. Chante les saints noms du Seigneur. Découvre qui tu es véritablement, un serviteur, et tu verras, tu seras heureux. Srila Prabhupada disait, on veut simplement, notre mouvement n'est pas un mouvement sectaire, où on dit aux personnes de changer de religion. On veut simplement qu'ils aiment Dieu, qu'ils soient heureux. We want to make the hippie happy. And you can stay high forever. Je regarde en ce moment le film Hare Krishna avec Janava Devi. Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Comment Srila Prabhupada a répandu le mouvement de Mahaprabhu à travers le monde. Et il avait tellement d'amour pour les disciples
pour ses disciples. Il partageait par exemple, je suis tellement heureux et fortuné que Krishna m'ait envoyé des jeunes filles et garçons pour m'aider dans mon service. C'est ça l'humilité, un Vaishnava. Il montre l'exemple à tous les niveaux. Il montre toujours l'exemple. J'ai écouté une conférence, un petit passage de Tama Krishna Maharaj, il expliquait qu'un Vaishnav qui est cher au Seigneur Suprême, il peut parfois être mis dans de telles difficultés. Et à travers ces difficultés, il va montrer aux êtres comment s'abandonner encore plus. Et ses gloires vont être encore plus grandes. On peut voir Prahlad Maharaj, par exemple, sans que Hiranyakashipu le martyrise, ses gloires n'auraient pas été les mêmes. Mais parce que son père l'a violenté, a voulu le tuer de tellement de différentes manières, et lui était tellement de plus en plus abandonné au Seigneur Krishna, que ses gloires ont été répandues à travers le monde. Et c'est un grand dévot du Seigneur. Donc nous-mêmes, quand on... 45 ans. On est dans la même position que Arjuna, où on se bat au quotidien contre la colère, contre la concupiscence, l'envie, la jalousie, le faux ego, l'identification à être un homme ou une femme. Et dans cette bataille, parfois on est vaincu, parfois on est victorieux. Mais tant qu'on reste associé avec les Vaishnavas, tant qu'on reste sous la guidance du maître spirituel, alors l'espoir est toujours là pour nous. De pouvoir un jour réaliser qui nous sommes, comme expliqué hier Gurudev. L'espoir est toujours là. Krishna, il est présent sous toutes ses formes, sous la forme de la Bhagavad Gita, la forme du chant du Saint-Nom, la déité, le Dham. Quand on est à Vrindavan, à Varshan, Nandagram, on a l'opportunité de, comme on dit, recharger les batteries et de pouvoir prendre la miséricorde du Dham, la poussière des lieux saints où les Vaishnavas, on n'a pas conscience, mais parfois on est en contact de lieux mais tellement élevés. À l'état conditionné, on ne se rend pas compte, on voit des singes, on voit des cochons, on voit le bruit, la saleté, mais c'est des lieux tellement élevés. Où Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Gadadhar, Rupa Goswami, les plus grands saints, ont résidé, sont venus faire leur bhajan. Qui ça? Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda. Gadadhar n'a pas été à Vrindavan. Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Sanatan Goswami. Par exemple, à Radhakun, hier c'était Bahulastani. Il y a des lieux où il y a le samadhi de Raghunath Das Goswami. L'endroit où Sri Chaitanya Mahaprabhu restait assis, accomplir son bhajan, Nityananda Prabhu. Sanatana Goswami, il y a tellement de grands saints qui ont marché dans ces lieux. Gurudev, quand on va dans les parikrams, quand on arrive à Varshan, on va à Pilipukur. Et souvent, il explique la même chose, c'est que quand on rentre dans ces lieux-là, il faut être comme un mendiant. Il faut être très vigilant à ne pas commettre d'offense envers les habitants du Dham. Que ce soit les insectes, les plantes,
les vaches, les singes, les êtres humains ne sont pas les êtres ordinaires des chiens. Par exemple, on peut parler, vous m'avez demandé de partager une petite histoire, on va partager cette histoire-là, c'était intéressant. On était à Pavanasarovar, à Nandagram, et donc on a fait notre pèlerinage, et Gurudev et Maharaj sont baignés dans le Pavanasarovar. Gurudev, il partageait que lui, habituellement, il est pas bon nageur. Et là, quand il est rentré dans le Pavanasarovar, il nageait très facilement, il s'est complètement laissé... Il s'est senti porté par les eaux sacrées, et il était vraiment en félicité. Et il y a un chien qui était juste à côté de Rasalila, Kamalamanjari et Harini. On leur a demandé de venir nous rejoindre. Et le chien nous a suivis. Il est resté avec nous. On a fini notre pèlerinage, on est rentré à Varshan. Et le lendemain, on est revenu à Nandagram pour continuer. On devait aller à Javat. Et on est allé à Vrindekun. De Vrindekun, on est revenu à pied sur Nandagram. Et on est passé devant le Pavanasarovar. Et juste à ce moment-là, il y a cette chienne qui nous a reconnus. Et tout de suite, elle est venue, elle s'est jointe en groupe. Elle a commencé à marcher avec nous. Donc là, on est allé à Terkadamba. Alors, pour ceux qui sont déjà allés en Inde, c'est au moins 3 km, 4 km, 3 km. Petite marche. Donc, voilà, Gurudev, il partageait les divertissements des différents lieux, et elle restait avec nous. On est arrivé jusqu'à, comment ça s'appelle, Mahadev Shiva, le divertissement où, un jour, Maria Shoda, il y a quelqu'un, une grande personnalité qui a frappé à la porte, qui voulait voir Gopal. Maya Shoda, elle a ouvert la porte et elle a vu cette personne couverte de cendres, avec des crânes comme guirlande. Et là, elle a dit, non, c'est pas possible, tu peux pas voir mon Gopal, il va avoir peur. Parce que Maya Shoda, elle est dans l'amour parental. Une mère, Si un homme, quelqu'un se pointe, je sais pas si Yamuna, s'il y a quelqu'un qui se pointe à ta porte, il est couvert de cendres, il a des crânes autour du cou, et il a le trident, il est vraiment très impressionnant. Je sais pas si tu vas le laisser rentrer parce qu'il veut voir Gauravani et Lila, je suis pas sûr que Yamuna va le laisser rentrer. Donc Maya Shoda dit non, tu peux pas rentrer voir mon Gopal. Et Shiva, il était très peiné parce qu'il voulait avoir le darshan de Gopal. Donc il est allé à un endroit pour méditer. Et Maria Shoda, elle a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose qui se passait parce que Krishna, il pleurait. Et donc elle a envoyé quelqu'un voir Shiva pour lui dire, ok, tu peux venir voir Gopal. Et dès qu'il a vu Gopal, Krishna était apaisé. Et donc on est allé à cet endroit. Et elle nous suivait toujours. Donc là déjà ça faisait 1,5 km qu'elle nous suivait. Ensuite on est allé à Terkadamba, le lieu où Srila Rupa Goswami a écrit différents ouvrages, dont le Bhakti Rasamrita Sindhu. Et dans ce lieu, il y a un... Ça va si je déborde un peu ou pas? Oui. Et dans ce lieu, il y a un kun vraiment très spécial. Il y a les pâtres, ils viennent à cet endroit et ils accrochent leur petit ballotin avec des sucreries, du prasham aux arbres. Et ils commencent à faire des jeux de ballon. Quand les pâtres y jouent, c'est vraiment très extatique. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de joie. Et à un moment donné dans leur jeu, la balle, elle va dans ce kun qui est recouvert d'une fine couche d'herbe. Et donc, on ne voit pas qu'il y a de l'eau en dessous. Donc, quand Krishna il va chercher la balle, tout doucement, hop, il récupère la balle et il l'envoie et il continue à jouer. Il n'y a rien qui se passe. Et l'instant d'après,
Ils envoient là-bas le milieu du Kun de nouveau. Et là, il y a un pâtre, il court, et poif, il tombe dans l'eau. Et tout le monde explose de rire, il rigole. Et ils continuent leur jouer comme ça. Pendant longtemps, par l'influence de Yogamaya, ils oublient à chaque fois que c'est pas juste une couche d'herbe, qu'il y a un Kun, qu'il y a de l'eau en dessous, et donc ils tombent dans l'eau et ils rigolent encore et encore. Donc on est allé dans cet endroit et ensuite on a continué notre marche et on est allé jusqu'à Djamat. Où là il y a un lieu très, très important où on peut avoir une bénédiction en suivant notre prière évidemment, le Kisholikun. Un jour Kamsha, il a entendu la beauté de Srimati Radharani. Et donc il a donné l'excuse à ses ministres et les personnes qui sont autour de lui qu'il voulait voyager dans son royaume pour admirer son royaume. Mais en fait, il voulait aller kidnapper Radharani. Et quand il est arrivé à cet endroit, il est allé dans ce Kund et il a voulu se rafraîchir. Et quand il a regardé le Kun, il a vu que il a vu une gopi dans le reflet. Il s'est dit, tiens, qui c'est cette personne? Il a été intrigué. Et là, il a commencé à regarder son corps, ses mains, et il a vu qu'il avait un corps de gopi. Kamsha, le roi de Mathura, est devenue une femme, une jeune fille, très jolie. Mais il ne voulait pas être une copie comme ça. Et donc il est devenu en colère. Mais au même moment, il y avait Lalita Sakhi qui est venue pour chercher de l'eau dans ce Kun, dans cet étang, pour Srimati Radharani. Donc comme ça, lui a dit, aidez-moi. Je suis Kamsha, le roi de Mathura. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais j'ai un corps de femme, d'une jeune fille. Mais c'est pas possible, je ne peux pas rester comme ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Au début, elles ont dit, mais Kamsha, maintenant, c'est pas possible. Elles se sont moquées de lui. T'as pas l'air d'être Kamsha là du tout. Et puis après quelques temps, elle était ça qui a compris. Oh, tu as dû venir avec une intention pas claire. C'est pour ça que ton corps a changé, tu es un corps de femme maintenant. Et Kamsha a supplié Lalita Sakhi de l'aider. Mais Lalita Sakhi a dit, mais tu martyrises notre... Tu fais tellement... Tu lui envoies des démons à notre bien-aimé Krishna. Ici, tu viens nous déranger. Pourquoi je t'aimerais? Et Radharani, Lalita Sakhi a entendu la voix de Radharani qui lui a dit, ok, amène-moi cette grosse crapule, je vais le voir. Et donc les Sakhi, elles ont fait porter Kamsha l'eau pour Radharani sur sa tête. Donc Kamsha a fait un service pour Radharani. Et il est arrivé devant Srimati Radharani. Oh, s'il te plaît, aide-moi Radharani, s'il te plaît. Et Radharani lui dit, ok, à une condition, c'est que tu n'embêtes plus mon Krishna. Et Kamsha a dit ok. Donc il est retourné, elle lui a dit, retourne à Kushirukun, bois de l'eau et tu retrouveras ton corps. Et Radharani a dit à Lalita Sakhi, oh, tout le monde cherche, désire obtenir une forme de gopi. Et là, cette crapule, c'est comme ça, il obtient une forme de gopi et il ne veut pas rester dans cette forme, il veut retourner dans sa forme de roi, de puissant comme ça. Donc on est allé à cet endroit, donc c'est un lieu, Gurudev explique, quand on approche ce Kun, il faut faire attention aux pensées qu'on a, parce qu'il comble tous nos désirs. Donc il faut y aller avec une méditation profonde.
si on ne veut pas devenir un crapaud, une grenouille ou un corbeau. Et donc ensuite, on a continué notre parikrama et le chien, la chienne nous suivait toujours. Et donc pour finir, à ce moment-là, pour retourner à Nandagram, il était déjà assez tard, donc on a pris un rickshaw. Et elle était venue avec nous de Nandagram jusqu'à Djerwat. Donc ça faisait 4 km. On ne voulait pas la laisser repartir toute seule. Donc on a essayé de la mettre avec nous dans le rickshaw. Mais elle ne voulait pas monter. Elle ne connaissait pas le rickshaw. Un chien en Inde, il faut comprendre, c'est low class. Comment on dit low class ? C'est basse classe. C'est un animal sauvage. Il ne s'en occupe pas. Il comprenait pas, on essayait de la... Il comprenait pas. Les vaches vacilles, ils comprenaient rien du tout ce qui se passait. Ils étaient vraiment surpris. Hein. Puis pendant tout le long du voyage, on a même donné du prachad à la chienne, elle n'a pas voulu. Elle n'était pas là pour rester avec nous, pour avoir du prachad ou quoi que ce soit. Elle s'est baignée de temps en temps dans les eaux pour se rafraîchir parce qu'il faisait très très chaud. Et puis elle attendait. Quand Gurudev parlait, elle écoutait. Elle restait là, elle écoutait. Quand il y avait des meutes de chiens, elle prenait refuge dans le groupe, elle se mettait au milieu. Puis ben, nous, avec les bâtons, on faisait partir les chiens pour la protéger. Et donc à ce moment-là, on est parti. Et puis elle a commencé à courir. Elle ne voulait pas nous quitter. Elle a commencé à courir derrière les rickshaws. Et puis ben, là, on s'est dit, c'est pas possible, on s'est arrêté. Et puis on a essayé de nouveau, ça n'a pas marché. Elle ne voulait pas monter. Et après, on est sur la grande route pour aller à Nandagram. Le rickshaw allait de plus en plus vite. Et la chienne, elle courait toujours. Elle courait toujours, mais vraiment vite. Et elle arrivait à nous suivre. Là, les rickshaws, ils ont dit, ah, il y a quelque chose qui se passe. Eux-mêmes, ils se sont arrêtés. Les rickshaws, hein, en Inde, ils n'ont jamais vu ça. Une chienne qui court après les Occidentaux, ils n'ont jamais vu ça, je pense. Donc là, eux-mêmes, ils ont essayé, mais... Elle s'enfuyait, elle ne voulait pas venir. Donc on a continué. Et puis ben, au bout d'un certain temps, on n'a plus revu. Mais c'était intéressant parce que on peut voir que les habitants du Dham, ce n'est pas des êtres ordinaires. On ne sait pas qui elle est, cette chienne. Nous, on voit juste un corps, on voit l'enveloppe corporelle. Mais il y a une âme spirituelle dans ce corps. Et c'est probablement En tout cas, c'est une personne très fortunée, c'est une jiva très fortunée pour résider à Nandagram et pour avoir, pendant une journée et demie, eu l'association de Shila Bhakti Swarup Damodar Goswami Maharaj, de pouvoir entendre le Harikatha de la bouche d'un Vaishnava. Elle a aussi un nom, c'était Goli Dasi. Voilà. Donc, pour finir, Madame Ananda Prabhu, dans cette conférence, il explique le yoga de la lamentation, c'est avoir un profond désir de réaliser qui nous sommes avec des pleurs, avec des larmes dans les yeux. Parce que quand véritablement on comprend qu'on est très fortuné d'être associé avec des Vaishnavas, qu'on est très fortuné de pouvoir rentrer en contact avec la Bhakti, de pouvoir aller sur le Dham, de pouvoir résider dans un temple, donc sur le Dham, alors graduellement on peut par bonne fortune pleurer pour approfondir notre dévotion, notre Bhakti, et pour ensuite aider les gens qui souffrent dans ce monde, qui n'ont pas la possibilité de comprendre qui ils sont. Jai Shri Varshanadham ki, Jai Shri La Prabhupada ki, Jai Shri Gurudev ki, Jai Gopremanande Hari Bol.